Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Rebonjour bonjour à nouveau. Iloula Yosef, à aleinu. Amen Ce soir, be'ezrat Hashem, Shabbat. Demain, on lira parashat Noach, et j'aurais voulu faire avec toi, Noach d'après le sode. Déjà, j'ai envoyé deux cours cette semaine, Noach d'après le sode. comment il est lié avec mon cher Abbé, non Là, on va faire dans une autre angle de vue, je crois on en, en français. C'est pas mal, écoute C'est rapporté dans plusieurs endroits dans le Talmud, que ce soit Bavli, Yerushalmi, que Rabban Gamliel, il avait un esclave qui s'appelait Tabi. Si tu peux prendre un stylo, noter des choses, ce serait bien. Tabi, ça s'écrit tête, Bet Yul. C'est rapporté dans le Talmud, Bavli et Yerushalmi, plusieurs histoires et plusieurs halakhot qui étaient tranchées, à travers ce qui s'est passé avec Rabban Gamliel et son esclave Tabi je vous donne un exemple dans Mishnah Brachot chapitre 2 Mishnah 7 c'est marqué là-bas où Kshemet Tabi Avdo et quand Tabi l'esclave de Rabban Gamliel il est mort il a accepté qu'on lui fasse des condoléances ses élèves lui ont dit Rabbi « Notre maître, tu ne nous as pas enseigné qu'on ne fait pas des condoléances sur des esclaves ?» Il répond, Rabban Gamlil, à ses élèves, il leur dit, « tabi, tabi mon esclave, il est différent de tous les autres esclaves. » J'aimerais comprendre qu'est-ce que veut dire ça, « Kacher. Il lui a donné un tampon, tampon de Kacher. Il faut savoir que Tabi, c'était un esclave kna'ani. Knani, non juif. Et il y a des lois dans la Torah qui nous enseignent, nous les juifs, comment on doit se comporter si on a un esclave Knani. Est-ce qu'on a le droit de libérer Dans quel cas on a le droit de le libérer Regardons Sefer Vayikra, chapitre 25, passage 44. Leaulam ba'em ta'avodou. Là-bas, la balag dit d'après Rabbi Akiva, on n'a pas le droit de libérer un esclave Knani. Et tout celui qui libère un esclave kna'ani, il transgresse une mitzvah négative de la Torah. Et c'est comme ça, c'est rapporté aussi dans Maïmonite, il Chot avadim, chapitre 9, halakha 7. Mais par contre, il y a une situation que le maître, il est obligé de libérer son esclave kna'ani. Regardons dans le chapitre 21, verset 26. Si le patron, le maître, il a causé un dommage à l'œil ou à une dent de son esclave, il est obligé de le libérer. Regarde Gmarababakama, Kama, Amoudbet, Dalet que Rabban Gamliel, sans faire exprès, il a fait perdre la vue dans un œil à son esclave Tabi. Et quand il a il lui a fait perdre la vue. Rabban Gamliel, il était content qu'il lui a fait perdre la vue. Pourquoi Parce qu'il a dit maintenant, je peux le libérer. Je n'avais pas le droit de libérer un esclave Knani. À part si on le fait perdre un œil, un don, un membre de son corps, il faut que je le libère. Maintenant que je lui fais perdre la vue d'un œil, je suis content de le libérer. Rachid dit pourquoi il était content de le libérer Il dit parce que. En réalité, Rabban Gamlel il voulait le libérer depuis longtemps, mais on n'a pas le droit de libérer un esclave kna'ani. Maintenant qu'il lui a fait perdre la vue d'un œil, il a le droit de le libérer. Il était content parce que son esclave tabi, tête bétiode, c'était un esclave Talmit chacham. Chacham. Mark chacham, chet même. Comme ça, il l'appelait. Mis à part qu'il l'appelait kasher, il l'appelait chacham. Tu imagines Jusqu'ici, c'est une belle histoire entre ben Gamliel et Tabi Avdo. Et j'aimerais lier tout ça d'après le sode dans notre parasha Dans notre parasha on voit que Noach il sort de la Teva, il plante une vigne, il boit du vin, il se saoule, il se déshabille, il est nu. Son petit-fils qui s'appelait Kenaan, c'était le fils d'Echam, il rentre dans la tente et il voit son grand-père nu. Il a couru vite voir son père Ham. Il a dit papa papa, papi il est nu papi il est nu. Qu'est-ce qui fait Ham Il rentre, il voit son père qui est nu. Et il l'a castré. Il n'a pas voulu que son père y ramène encore des enfants pour ne pas partager l'héritage. Après qu'il a castré son père, Ham il va raconter à ses frères Shem et Yefet leur dire que papa il est nu. Et les deux frères Shem et Yefet, ils ont pris une couverture publiquement, ils ont couvert leur père. Noir, il prend conscience, il se réveille, et il voit quest ce que son petit-fils, le fils de Ham, a dit et son fils a fait, alors il a maudit son petit-fils. Arour kena'an, maudit kena'an, Eved avadim, tu seras esclave à tes frères. Comme ça, c'est marqué dans la parasha, dans le chapitre 9, le 20. C'est quoi la malédiction Noach, il nous dit que les enfants de Ham, ils vont être esclaves à ses frères, aux frères de Ham. Qui sont les frères de Ham Shem et Yefet. Il faut, il faut remarquer, il faut faire attention. Noach, il nous dit que Ham et ses descendants, ils vont être esclaves à ses frères de Ham. C'est qui C'est Shem et Yefet? Alors viens voir comment c'est beau d'après le sod. Le Rama Mipanon, dans son livre Gilgulen et Shamot, Gimel, et aussi à Arizal, dans Shahara Gilgoulim, ils expliquent comme ça. Shem et ils sont revenus dans le corps de Rabban Gamliel. Chaam, il est venu dans le corps des Tabi, l'esclave. L'esclave de Rabban Gamliel. Et voici que la malédiction que Noach elle se réalise. Noach il a maudit que Cham il va être esclave à ses deux frères. Et là Cham il est dans le corps de Tabi, l'esclave de Rabban Gamliel, que Rabban Gamliel il a donné chamoton lui, Shem et Yafet. On raconte plusieurs fois que Rabban Gamliel il a témoigné sur son esclave qui est chacham et kasher, on a dit tout à l'heure. C'est quoi Chacham? Marque, s'il te plaît, Chacham. Chet, Chaf, Mem. La valeur numérique des tabi, tête betyud, ça fait 20. C'est la lettre Chaf qu'il y a au milieu de Chacham. Alors si tu prends le prénom Kham et tu rajoutes la valeur numérique des tabi Cham, Chaf, ça fait Chacham. C'est ça qu'il disait à Gamliel à son esclave. Tabi, khakamu. Tabi, mon esclave, pas qu'il est intelligent. Kham, c'est lui, Ham. c'est notre frère, Ham. Il disait que kham en valeur numérique petite, 12. Et tabi, valeur numérique aussi, 12. Que c'est les mêmes personnes. kham et tabi, c'est les mêmes personnes. En avance, Ram, quand il a vu son père nu, il a fait deux péchés. Avec l'œil, qu'il a vu, et avec la bouche. Il a fait deux péchés. C'est marqué. Il a vu quelque chose qu'il n'avait pas le droit de regarder. Il a fauté avec l'œil. Avec la bouche, il est parti rapporter à ses frères. Souviens-toi qu'on a dit que pour libérer un esclave, on doit le libérer uniquement si on le fait perdre l'œil ou une dent. Maintenant que Tabi, il vient dans ce monde pour réparer les fautes qu'il a faites. Viens voir une histoire, donc Marababakama, page 74. Aïn Dalet Amoudbet. מה עשה ברבן גמליאל ששימה את עין תבי עבדו והיה שמח שמחה גדולה לפי שעבד כשר היה והיה מתאבה לשחררו לגמרי אל רקון כי רבן גמליאל אילא פי פרד לביא דעינוי אילא פי פרד לביא פסקו שתה עבד כשר אילא פי פרד לביא רבן גמליאל עבד כשר פרד פי עטבי En réalité, il est en train de l'aider à faire le tikkun qu'il a fait avec les yeux, qu'il a regardé ce qu'il n'avait pas le droit de regarder. Parce que le prénom tabi en araméen, ça veut dire regarder, les habites, observer. Il a observé quelque chose qu'il n'avait pas le droit. Le prénom à lui, c'était le tikkun qu'il est venu faire au monde. Et là, il vient de faire le tikkun à travers Aben Gamliel. Maintenant, qu'est-ce qui reste à réparer La parole. chav » C'est rapporté dans Midrash Vaikra Rabba, que Rabban Gamliel, il a demandé à son serviteur Tabi d'aller chercher quelque chose de bien dans le marché. Il a dit va au marché, achète-moi quelque chose de bon. Tabi il est parti, il a acheté une langue d'un bœuf. Il est parti chez le boucher cacher, il lui a acheté une langue d'un bœuf. Merci, c'est bon, pas mal. Le lendemain, Rabban Gamliel, il dit à son esclave Tabi encore, va aujourd'hui au marché, achète-moi quelque chose qui n'est pas bon. Il est parti, je suis le boucher juif, il lui a acheté encore une langue d'une bœuf. Rabban lui a posé la question, il a dit, attends, je ne comprends pas. Pour toi, la langue, elle est bonne et elle est mauvaise Ou elle est bonne ou elle est mauvaise Hier, je t'ai dit d'acheter, bon, tu m'achètes une langue d'une bœuf, je te dis aujourd'hui, achète quelque chose de pas bien, tu m'achètes une langue de bœuf. C'est quoi ça Tabi, son serviteur, il lui a dit, « Maître, parfois la langue, elle peut être bonne quand on parle de bonnes choses. Il n'y a pas mieux que ça. On fait des louanges à sa femme, à ses enfants, à son mari. On dit des torah Et parfois, la langue, elle n'est pas bonne. On insulte, on maudit, on se met en colère. On dit des grossièretés, on dit la chonara. Parfois, la langue, elle est bonne. Parfois, elle n'est pas bonne. Là, Tabi vient de réparer la parole. À travers ce qu'il vient de dire. Maintenant Tabi, il lui reste à réparer la Brite. Parce qu'il a castré son père. Deux fois il a, il a fauté avec la Brite. Une fois qu'il a eu des relations avec sa femme dans la Teva. Et on n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme dans la Teva. Comme ça s'est rapporté dans Pritsadik. Alors il a fauté dans la Teva. Et deuxième fois qu'il a faussé avec la bride, c'est qu'il a castré son père. Et Tabi, il répare ça. Comment Avec son, son prénom, les lettres de son prénom. Il y a un ange dans le ciel qui s'appelle Bet-Yud-Tet. C'est les lettres du nom de Tabi. Cet ange-là, qui s'appelle Bet-Yud-Tet, c'est un nom Kadosh qui répare celui qui l'a fait des pertes de semences. Comme ça, c'est marqué en eau de Celui qui a des pertes de semences, il abîme le nom béthieu de tête qui se trouve dans le ciel. Alors, tabi, c'est les mêmes lettres, mais ils ne sont pas en place. Et aussi, c'est pour ça, c'est marqué dans Tilim 91, pas 8. Rak tabit Tabit, si tu mets le taf à côté. Et il reste à côté tête ça fait Tikun Tabi, la réparation de Tabi. Et là, maintenant, Ham il finit, le fils de Noach, il finit son Tikun quand il devient l'esclave de Rabban Gamliel. Il y a une Mishnah dans Soukha, chapitre 2, que Tabi, le serviteur de Rabban Gamliel, il a dormi dans la Soukha, sous la table. On n'a pas le droit de dormir dans la soukha sous la table. Il faut dormir dans la soukha, mais pas sous la table. C'est rapporté dans Zohar Akadosh Parashat Pinchas, Pinchas dans page Reshnun Vav, qu'il y a un lien entre l'arche des Noah et la soukha. Il dit Rabbi Shon Bar Yochai que la teva de Noah, elle protégeait de tout. La soukha aussi, elle protège de tout. La valeur numérique des soukhas 91, la même valeur numérique que TSE, Hachem, il a dit à TSE Et aussi à Soukot, Hachem, il nous juge sur la quantité d'eau qu'on aura cette année. En fait, Simchat aussi. Et là, c'est le Duluche qui est tombé aussi pendant cheshvan. Maintenant, on comprend pourquoi Tabi, il a dormi dans le souka, Parce qu'il a eu des relations avec sa femme dans la Teva. Et la Teva, c'est la souka. Ok, on va s'arrêter là. J'espère que ce pas trop compliqué. J'espère que j'ai essayé de marcher le plus possible et d'être clair le plus possible. Et j'espère. Dis-moi si tu as compris. Envoie-moi un petit Shabbat Shalom. Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem, Shabbat prochain, c'est la Hiloula de mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel, c'est Rabbi Yosef El Koubi. C'était le Dayan, le. Le Rav de Meknas, c'était le Rav de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, c'était le Rav de Rabbi Shalom. Mais ça, des gdolim, c'était des grands, grands tzadikim à Meknas. On a appelé Meknas, Yerushalayim C'est des gens purs qui habitaient là-bas. C'était Yerushalayim, comme la souka. Alors, Hashem, Shabbat prochain, vendredi prochain, le cours qu'on va faire, ça sera la mémoire, Bézrat Hashem, de mon grand-père, un grand Mekoubaal, רבי יוסף אל קובי. שבת שלום וכל טוב.